Présent, je vous propose de faire un plat assez classique mais emblématique de tous les ménages. C'est le fameux poulet rôti façon rôtisserie au Ninja Foodie. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va allumer notre Ninja Foodie. J'ai coupé, alors mettez ce que vous voulez comme légumes. Moi, j'ai mis une tomate, une échalote, du thym frais, on a des pommes de terre. Donc, ça, on va venir le mettre déjà dans le fond de notre cuve. Voilà. Très beau poulet de ma boucherie Berbèche du 13e, je tiens à vous dire aussi. Bien dodu, bien robuste. On va venir mettre. Tomates et on va venir ajouter un petit mélange à base de paprika et d'huile et un petit fond d'eau. Voilà, la petite huile rouge, on appelle ça. Et on va venir badigeonner notre poulet de cette petite préparation. Alors voilà, notre poulet trop sexy est maintenant prêt. J'ai gardé un petit peu de la préparation et j'ai redilué avec de l'eau parce qu'en milieu de cuisson, de temps en temps, j'aime bien rajouter un petit peu pour lui redonner un petit peu de jus. Et là maintenant, donc on va fermer le Ninja. On va se mettre en mode combi steam. Combi steam air fry. Pourquoi air fry? Parce que moi j'aime bien, il monte à 240 et j'aime bien quand ça saisit bien. Et on va mettre ça pour 30 minutes. Dans la cuve, j'ai mis l'équivalent de 2 verres d'eau. Je rajoute au passage. On est presque à la fin, il nous reste 40 secondes. On va l'arrêter. Et on va voir où il en est notre poulet rôti. Notre poulet est ici, voilà, bien rôti. Et les légumes qui étaient en dessous, voilà comment ils sont. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer en mode grill pendant 5 minutes pour rôtir un petit peu les pommes de terre. Notre poulet rôti. Voilà, il était fait tout seul. Mais avec une main. Voilà. Donc là, on était en mode grill, donc c'est automatiquement à 240 pendant 10 minutes, du coup pour la suite. Et voilà, maintenant on a des pommes de terre qui sont bien grillées, bien rôties. Magnifique.